Bonjour à tous, c'est KMLF et bienvenue sur Kung Fury le jeu. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Kung Fury, ce n'est pas un vieux jeu d'arcade, c'est un film qui est sorti il n'y a pas longtemps sur internet. Alors je vais baisser un peu le son, même si ça claque sa race. Donc c'est un film qui est sorti sur internet il n'y a pas longtemps, et d'ailleurs je vous mettrai sûrement un lien pour que vous puissiez aller le voir, puisqu'il est entièrement gratuit et disponible sur YouTube. Et donc c'est... c'est un film qui a été fait dans la thématique des années 80. Et comme, comme le nom s'indique, c'est du kung-fu, le machin, donc... Ils ont fait un jeu, et moi, ayant apprécié énormément le film, je me suis dit, je vais choper le jeu pour essayer ça. Story mode. Ça ressemble pas à la plage. Je vais traduire puisque vous parlez peut-être pas tous anglais. Où est-ce que tu nous as hack? According to my algorithm calculations, it seems like we might just have ended up in the... Shall we play a game? Hommage à... Ah oui, en fait, si vous avez pas vu le film, vous comprendrez pas l'histoire, je pense. Et oui, le grand méchant de ce jeu, c'est Hitler. Oh dear. Et alors, nos héros sont tombés dans un piège. This could mean trouble. Yeah, this makes a epic. Quelle connerie. We good company. Alors tabasser du nazi. Oui, parce que les méchants dans Kung Fury, ce sont des nazis. I'll take care of this. Alors, je sais que ce jeu est un hommage à Street Rage. D'ailleurs, dans le nom, c'est Kung Fury Street Rage. Mais le truc, c'est qu'il n'y a que deux touches. Donc en fait, c'est du QTM. Je dois penser à taper du bon côté au bon moment. Je ne peux faire que gauche-droite, en fait. Mais si jamais je tape trop court ou quoi, ils me mettent des pêches. C'est un peu le souci avec ce jeu, c'est que je ne peux pas bouger. Je dois attendre les ennemis et les buter. Bon là, ça va, les ennemis de base, c'est un shot. Mais une fois qu'on commence à avoir des boss sur la gueule, c'est un peu moins marrant. Super bloody comme truc. Mais donc pour ceux qui veulent aller voir le film, je vous conseille d'arrêter la vidéo et d'aller le voir, puisque j'aurais sûrement mis un lien pour que vous puissiez le regarder, pour comprendre l'histoire. Et pour ceux qui ne voudraient pas regarder le film, je vais vous raconter l'histoire, donc spoiler dans pas longtemps. Donc je vous conseille d'arrêter si vous voulez pas être spoil sur le film, et aller voir. Donc c'est Kung Fury sur YouTube si jamais le lien ne marche pas. Alors voilà, je vais vous raconter l'histoire. Donc l'histoire, c'est un flic normal qui un jour, pendant qu'il poursuivait un ninja dans une ruelle, s'est fait foudroyer et mordre par un cobra. Donc c'est un peu cliché, mais c'est comme ça. Et ça lui a donné des super pouvoirs. Il est devenu Kung Fury, donc le maître du Kung Fu. Et il a décidé de combattre le crime avec son pouvoir. Et à un moment, en gros, Hitler va se faire un voyage dans le temps. Oh, je me suis pris une pêche. Hitler va faire un voyage dans le temps et revenir dans les années 80 et va attaquer la police. Et Kung Fury va décider de repartir dans le temps pour combattre Hitler. Et alors, blablabla, hein, il va se retrouver dans l'ère des Laser Raptors et tout ça, vu qu'il va rater un peu son... Oh putain, je m'en prends dans la gueule, là. Il a un peu raté son transfert et il va se retrouver à l'époque des Laser Raptors. Et il va finir par buter Hitler et tout ça, mais je peux pas vraiment vous spo... Ah, j'ai déconné.
Et donc voilà, donc c'est un petit Street Rage. Mais en plus compliqué vu que c'est un QTM et que je dois attendre le bon moment. Après j'aime bien l'idée d'avoir fait... Il y a même des faux reflets quand vous regardez bien, quand on dirait que la télé travaille. Comme si c'était vraiment sur une vieille arcade. J'aime bien l'idée qu'il y a eu de... Bah, d'ailleurs ce film-là est rempli de dommages cultes. D'ailleurs c'est David Hasselhoff qui a fait le trailer du film. Mais il est pas dans le film, il a juste fait le trailer et une musique de malade que Jake et moi on adore. Donc c'est vraiment un film qui a été fait pour la passion et pas pour l'argent, c'est pour ça qu'il est entièrement disponible gratos. Putain, je vais m'en prendre dans la gueule. Les jeux, par contre, le jeu est payant, c'est 5€ sur Steam. Mais franchement, ça en vaut la peine si vous voulez un petit jeu fun pour passer le temps. Là, c'est le mode histoire, j'avais essayé le mode assaut où en gros on a juste des vagues et le but c'est de faire du score. Après, je préfère, on va dire, un Street Rage classique où tu peux bouger et esquiver les ennemis. Là, le problème, c'est qu'une fois que les ennemis commencent à arriver en nombre ou des deux côtés, il faut penser à mettre le bon nombre de coups par ennemi. Ça aussi, en fonction de l'ennemi, il meurt à des coups différents. Et si vous tapez trop, contrairement à un vrai Street of Rage où vous pouvez taper dans le vide, voilà, regardez, j'ai tapé trop et je me suis fait éclater. Donc je dois taper le bon nombre de fois sur mes touches si je ne veux pas me prendre une pêche. Et elle, c'est des chiennes parce qu'elle passe, elle passe derrière. Apparemment, on peut parer les coups. C'est pas mal. On peut parer les coups à partir du moment où on tape du bon côté. Putain, j'ai tapé une fois de trop. Par contre, je crois que j'ai énormément de crédits. Enfin, en même temps, il n'y a pas de crédit vu que c'est une version PC et pas une version arcade. Ce serait chum, franchement, de refaire une arcade sur ce jeu. Après, il faut apprécier l'univers du truc, hein, parce que c'est assez spécial. Hein. Rien que vous avez remarqué, au début, il y a un flic Le Triceracops, c'est des grosses blagues, le film est hyper cliché, il y a des trucs totalement irréalistes comme Hackerman. Le mec, oh c'est impossible de faire un voyage dans le temps, alors je vais te hacker dans le temps. C'est un peu débile, mais c'est ça que j'aime bien, moi, on va dire, c'est comme le fameux Far Cry Blood Dragon, où en fait c'est une thématique années 80, années laser, comme ça, qui était pas mal stylé. J'aime bien franchement les trucs récents qui refont des styles anciens dans ce genre-là, mais par passion, hein, pas pour le pognon. Parce qu'il y a des firmes qui font ça pour le pognon. C'est pour ça d'ailleurs que le film est entièrement gratuit. On peut le voir et tout ça à volonté. Il n'y a pas à payer. C'est pas comme les youtubeurs qui font payer les vidéos qu'ils foutent sur YouTube. Oh putain, Emilien. À part le jeu, évidemment, parce que le jeu ils ont décidé de le mettre payant et je pense que c'est une bonne idée. C'est pour aider au support du film en même temps. Parce que faut se dire. Ah putain, sur un sbire de base quoi. Ils mettent le film gratos, mais à côté on peut payer pour d'autres choses. C'est un peu une façon de les supporter et de les aider à développer et à faire la suite parce que, évidemment, il va y avoir une suite. Il faut vraiment penser à taper du bon. Ah, c'est chien! Elle m'a tapé par derrière la. Ah, c'est toujours ces meufs-là qui me butent. Faudrait que j'arrive au moins à passer le premier level pour la vidéo, mon dieu. Moi qui adore les vieux jeux, je suis en train de me faire ridiculiser sur un jeu récent en style ancien, quoi. C'est honteux, c'est honteux. J'ai manqué de m'en prendre une, là. C'est ça aussi le truc, moi je suis du genre à foncer dans le tas, et là je dois attendre que les ennemis me viennent dessus. Donc je déteste ça, j'ai envie de mitrailler la touche pour avancer, en fait. Et si je fais ça, je baisse ma garde. C'est super sanglant, j'adore.
D'ailleurs, le personnage blond là dans le film, si vous regardez le film, vous allez l'adorer parce qu'il y a un moment où il se fait humilier, c'est trop fun. Mais c'est un film qui est rempli de blagues et en même temps avec une partie légèrement sérieuse, mais il est juste équilibré comme il faut. D'ailleurs, en fait, le truc c'est que le film est totalement en anglais. Donc si vous ne parlez pas anglais, c'est pas top d'aller le voir. À part, je crois qu'ils sont en train de faire le sous-titrage, donc vous pourrez au moins comprendre les... Putain ! Vous pourrez comprendre les textes, parce qu'ils vont faire le sous-titrage, mais pour l'instant, je crois qu'il n'est disponible qu'en anglais. Mais ça fait un moment qu'il est sorti, donc ça m'étonnerait pas que le sous-titrage soit déjà fait. De toute façon, j'aurai mis le lien, donc n'hésitez surtout pas à aller le voir. Pour vous dire, le fait que j'ai acheté ce jeu aussi, j'adore le jeu Street of Rage, qui est un classique, hein, le bon vieux classique du beat 'em all, hein, ça vient de Street of Rage. Et avec Jake, on a déjà fignolé Street of Rage, on se faisait des soirées Street of Rage avec Jake. Genre, j'étais en train de taper! Ah! Bah! On retry! je vais y arriver. En bon fan de Street of Rage, il est hors de question que je finisse sur une défaite. Ah, je viens de manger, hein, je digère. Et mine de rien, c'est plus dur que ça en a l'air. Moi, je déteste les QTM. Moi, je suis un bourrin. Je déteste devoir taper au bon moment. En plus, c'est un QTM intuitif en quelque sorte parce que je suis jamais vraiment sûr de la distance. Après, je sais que j'avais essayé le mode arcade pur. Avec Hackerman, c'est super fastoche. En fait, Hackerman, il est overcheaté. Comme son nom l'indique, c'est un hacker. Et dans le jeu, en fait, il tire à distance, lui. Donc en fait, Mais putain ! Il vous suffit de mitrailler les touches dans le bon sens et vous pouvez tuer tous les ennemis en une rafale. En fait, vous chargez vos tirs et il arrête le temps, donc c'est pas mal. Mais fais chier, concentre-toi, KMLF. Là, avec Kung Fury, c'est le classique, c'est le héros de l'histoire, mais bon, il y a pas d'astuce. Je sais que Triceracops a une énorme barre de santé. Barbariana, je l'ai pas encore essayé. Ça m'énerve les meufs parce qu'en fait, vous voyez ce qu'il faut faire? Il faut taper, 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 taper. En fait, quitte à m'écarter de l'ennemi, je fais un coup dans le vide quand j'ai l'occasion pour être sûr de le taper. Oh, j'ai déconné, je devais taper à droite et pas à gauche. Vous voyez, j'ai envie d'enchaîner et c'est comme ça que je me fais flinguer, putain. Allez, dernier essai. Sinon, ça va pas le faire. S'il faut, je ferai une ellipse temporelle, en fait. Je vais jouer pendant une heure dessus, là. Je veux passer le premier stage. D'ailleurs, je pense que ce que je ferai, c'est que je vais faire une... Comment on peut continuer l'histoire dans le jeu? C'est pas comme une vraie borne d'arcade où il faut recommencer à zéro. Je pense que je vais faire une série de vidéos sur ce jeu, une fois que j'aurai réussi le premier chapitre. Et je ferai chaque chapitre du jeu avec chaque personnage. Ça peut être intéressant. Et limite faire des soirées avec Jake. J'ai manqué de m'en prendre une là. Mais je vous jure, je préférerais avoir une vraie borne d'arcade. Hein, parce qu'avoir les doigts sur mon... Parce que c'est avec les flèches en fait. C'est un QTM avec des flèches quoi. Je déteste ça. Benga! À part ça, je kiffe la zik. Hein. Oui, d'ailleurs, ça, niveau musique, moi. J'adore, je suis métalleux et au passage j'écoute des musiques des années 80 donc. Wouh! Enchaînement! Boum! Boum!
J'adore les animations, c'est trop fun. Un truc dommage par contre en fait c'est que dans le film Kung Fury a une veste et là il est en t-shirt. J'aurais aimé qu'il ait sa veste en cuir. Après ça donne bien en t-shirt aussi. Ça fait ressortir les pecs. Genre. Mais putain, comment vous voulez? Je me fais gangbang. Oh, un dernier essai, allez. Pour l'honneur. Je me mets plein le cul. Boum. Le pire, c'est que techniquement, en fait, je pourrais compter mes clics. Vu que là, il me dit les ennemis qu'il y a. Allez, enchaîne, putain. Ça aussi, d'ailleurs, en parlant de vieilles arcades, si jamais... On en a l'occasion avec Jake, on va essayer de retrouver des vieux jeux d'arcade, quitte à les faire sur l'émulateur en fait. Et en fait, l'idée, ce serait, comme on va dire, avec la section PS1 Gaming, on ferait une rubrique spéciale vieux jeux d'arcade, genre Donkey Kong et tout, hein, carrément, enfin, les vieux jeux. Juste pour le fun, parce que Jake et moi, on est fans des vieux trucs comme ça, hein, des vieilles arcades. D'ailleurs, je vais bientôt me faire tatouer une arcade sur le bras. Parce que je suis un arcadomaniaque, je sais même pas si ça dit comme ça. Je kiffe ça. D'ailleurs, si un jour Jake et moi on gagne suffisamment de pognon, donc en gros après avoir travaillé des années, l'idée c'est d'ouvrir un bar arcade. Mais ça pour l'instant ça reste un projet, hein, les enfants. Je ne m'avancerai pas. Oh, j'ai réussi à esquiver le blond en me. Mais putain, je tapais! Allez, final wave! Ah, en parlant de Jake, il vient de m'envoyer un message sur Skype. Et donc, je pense qu'après cette petite vidéo, je vais aller voir mon ami. Oh, j'ai réussi à passer le moment où il me gangbang. Non, j'ai tapé. Oh, va te faire enculer. Oh. La revanche dans la prochaine vidéo. Je vais aller voir ce que Jake m'a mis sur Skype. En attendant, merci d'avoir regardé. Je suis désolé, en ce moment, on n'a pas fait beaucoup de vidéos, voire pas du tout. Mais il y en a une qui devrait sortir de Bazookam parce qu'on est en train de la monter. Et encore une fois, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Allez voir le film Kung Fury si vous voulez aller le voir parce qu'il est vraiment top. Il dure qu'une petite demi-heure. Encore merci et à la prochaine.